Assalamu alaikum wa nar. Mang len di nuyé ñëpp di len ziar. Di tek nuyo bi nak ci loxo président Ousmane Sonko. Mu ñuy kilifa yi fi téw yépp, les députés, les leaders politiques di len nuyu di len ziar encore une fois. Dégg na nak wa ndar yéna gagné wa zigen shor. Lolu nak xawna ma jaaxal mais suñ ko waxé mën na ko gëm. Alors sama kaddu gi du guddu. Dama bëggon wax rek né ñu fatéliku lu ñu xam ñu ñëpp. Le 3 février bi passé le Macky Sall ak Amadou Ba signé ben décret. Le 3 février donc Macky Sall ak Amadou Ba signé ben décret d'ax élection présidentielle. Ñoñu xam nañ né ñoñu bëgg ñu élection. Yeen yeena taxaw le peuple sénégalais and ak wa PASTEF ak wa opposition bi à l'époque ba imposer len élection présidentielle le 24 mars ñu fal président Bassirou Diomaye Faye à 54%. Kon ak ñi bëgg ñu élection par le président Diomaye nommé Ousmane Sonko premier ministre du Sénégal né nañu dañuy daanel gouvernement bi ci assemblée nationale xam ngeen ne dof passé wul lolu ñi bëgguñu élection xam nañ ne le 17 novembre bi match bi tasna gagné nañ len kon nak ci luñuy djublu moy saboter mu baña am élection motaxit ngeen dégg ay violence ñu fi def né dañuy attaquer convoi président Ousmane Sonko man dama xamné ko xamné ku melni Macky Sall amone gendarmerie am police am ay force obscure monolul dara peuple sénégalais ak jeunesse bi mu perte lol yépp né nañu dañuy continuer seen violence kon nak man japp na né violence yoy ay provocation la dañoo bëgg mu am réaction ñu sukkandiku ci lolou yaax élection yi ken bu ko nangu duñ ko nangu tay le 17 novembre 2024 dañ leen wara gagner PASTEF dafa wara am une majorité qualifiée une majorité confortable je rajoute une majorité stable dans le temps lolou lañu soxla parce que non seulement Sénégal moko soxla Boubacar Camara wax nako gaay dañu bëgg bloquer dañu bëgg saboter dañ fi bëgg andi instabilité Sénégal soxla nako sous région bi tamit soxla nako ñepp ñi ngi xol Sénégal kon stabilité dañ ko soxla dañ ko liggéey le 17 novembre 2024 dinañ ko am inshallah match bi tass ne gagné nañu ba paré prochaine fois nak je parlerai d'économie assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh merci beaucoup